Bonsoir Eric. Bonsoir, ça va? Hey. Bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir ensemble, nous allons essayer de vous apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Cependant, nous allons essayer de l'apprendre ensemble. Hey. Le mot de ce soir est... C'est moi qui fais. Je te dégage. J'avais vu... Assurance. C'est très facile. Attends, non, c'est pas assurance, c'est insulaire. Insulir, haïr, R-E. Très bien prononcé. Comment c'est la définition, s'il vous plaît? Mais c'est très simple, Eric. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir? Pour expliquer insulaire, pour cela, mettons-nous en situation. Eric, oui. Où allez-vous en vacances cet été dernier? Déjà, prochain. J'irai bien en Corse, personnellement. C'est bien, c'est sympa, la Corse. C'est bien. Moi, je vais aller en Australie. Ah ouais, c'est bien l'Australie. Ouais. C'est un peu les mêmes pays qu'on fait, en fait. Nous allons tous les deux dans des pays insulaires. C'est vrai. On va que dans des pays quand insulaires. Ouais. Par exemple, l'Angleterre aussi. Non, c'est pas bon. Ah l'Angleterre, bon il y a deux airs. Ah, il y a deux airs. Tu peux pas y aller. Mais tu peux aller. Ou alors, c'est un deux airs. Nous ne voyons pas d'autre explication. Il y avait le Togo aussi, tu peux aller au Togo. Togo. C'est un pays africain. Non, Togo. Je suis Togolais. Non, je suis trop gros.